des palmes dans la terre nourricière. Et le sel sera lourd de ses fruits bien mûris par mes soins. Et mon cœur sourira aux habits par l'amour de la terre. À quoi bon habiter cette terre éternelle autrement? Acceptez dans mes chers invités de venir à la fête. J'ai bu raisonnablement. Et la preuve, c'est que je regagne mon domicile tranquillement, sans l'aide de personne, en promeneur solitaire. Je marche et je médite sur l'homme et son destin. Est-ce là une attitude d'ivrogne? Peut-être. Encore une question sans réponse. Mais les questions sans réponse, c'est le trésor de l'homme. Ah, l'homme. J'imagine la joie de l'éternel quand pour la première fois, il a vu se mouvoir, faire ses premiers pas, émettre ses premiers sons. Cet animal étrange, ce bébé adulte, le premier homme, le roi de l'univers. Et pour marquer sa satisfaction, il lui a offert ce don unique, exceptionnel, la parole. La parole qui relie toutes choses et qui gouverne le monde. Qu'est-ce que c'est? Bon, où en étais-je? Ah oui! On peut tout dire avec les mots, même l'amour, même l'obscénité. Quoi? Bon, on coupe la parole? Ah, encore? Qui crâne ici? Qui ose? Chien. Qu'est-ce que tu fais là, chien? Ah, tu es enchaîné. Un chien de garde dans ma cour. Admettons. Ah, vous aboyez. Le sentiment de votre dignité vous pousse à aboyer.
Eh bien, sachez, mon cher, à moins que ce ne soit ma chère, sachez, disais-je, que le chien aboie la caravane passe, proverbe oriental. C'est ça, il ne te manque qu'à la parole. Eh bien, si tu veux, cause. Me prendrais-tu pour un clochard parce que je flotte un peu? Chien, n'es-tu pas capable de faire la différence entre l'ivrognerie et l'ivresse? Sais-tu que je les représente et les incarne tous? Tu me sembles avoir des idées très sommaires sur les hommes, mais regarde bien, écoute attentivement. Tu verras la nuance délicate. Tu entendras la note sensible, les accents déchirants. Regarde bien, tu verras comme ils sont beaux, les hommes, comme ils sont grands. Mais d'abord, que je te présente la femelle de l'homme. Nous disons la femme. Et ce mot femme est si riche de charme, de grâce et de douceur qu'il me vient des larmes aux yeux rien qu'à le prononcer. Femme. Mon mari est mort. Il est mort un jour en tournée.
J'ai reçu un télégramme plein de mots incompréhensibles. Marie, stupidement, décédée, attaque, enterrement, dimanche, attendons. Stupidement m'a étonnée, mais j'ai compris. Enfin, j'ai compris presque tout, sauf le mot « attendons ». Attendre quoi? Que pouvait-on attendre de pire? La 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 la. Mon second mari était grand et fort. Il s'appelait Vassili et avait un commerce de bois. Mon Dieu, comme c'est intéressant. Pensez, jusqu'alors, je ne m'étais jamais avisée que les arbres de mon jardin et ma table et ma commode, c'était la même chose. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de très jolies secrétaires avec des arbres fruitiers. Et j'ai appris que les allumettes et les planches que je voyais passer rangées dans des chariots et les poteaux télégraphiques, c'était la même chose. J'ai appris que le chêne était dur et le pain doux, que le sec était plus dur à scier que le verre et que chaque espèce nécessitait une scie différente et qu'il fallait régler l'écartement des dents et l'affûtage du fil de la cognée. Et naturellement, j'ai appris les cours de marché. C'était très passionnant. Et très variable. Vassili était un homme gros, bon et fort. Mais comme tous les hommes gros, forts et bons, il ne faisait pas attention. Il a pris froid, comme un enfant. Il m'a laissé veuve, avec des centaines de noms d'arbres qui me trottaient par la tête. Un jour, j'ai réussi à guérir de la pépine notre coq noir en lui introduisant deux doigts dans le gosier. C'est Vladimir qui me l'avait montré. Vladimir, le vétérinaire du régiment. Il avait de grands yeux tristes, une bouche amère. Il ne voulait jamais en faire qu'à sa tête et déclarait: certains actes sont sans pardon. C'était à cause de sa femme qu'il avait quitté pour le cuisinier du grand hôtel de Briance. Et là, tu en apprends des recettes. J'aurais pu refaire ma vie avec Vladimir, mais son régiment a été muté en Sibérie. Nous nous sommes perdus de vue. D'ailleurs, je n'étais plus toute jeune, ce qui est inévitable pour tout le monde, même pour ceux qui, comme moi, ont eu une existence si heureuse et si remplie. Mon grand regret était de penser qu'il y avait encore tant d'hommes extraordinaires dans le monde, et que chacun d'eux savait quelque chose d'important que je ne connaissais pas. Mais, comme de toute façon, je ne pouvais prétendre les épouser tous, je me suis fait de raison. Que j'ai même maintenant un certain
certain plaisir à redire. Elle était jolie comme une prière. Dans les minutes difficiles, quand le cœur retient le sanglot, c'est une prière enfantine que je me récite tout. Il est une force secrète dans l'alliage des mots humains. Ils répandent quand on les répète, comme un charme, comme un parfum. Plus rien ne pèse sur le cœur, ni le doute, ni le péché. Alors on croit, alors on pleure, et on se sent léger, léger. Un jour, sans s'annoncer, Vladimir est revenu. Il avait quitté l'armée et comptait s'établir dans la région, définitivement. Quelle joie! Il était toujours vétérinaire et avait complété son savoir en Sibérie, où on trouve des animaux à fourrure inconnus chez nous, et aussi des mouflons, et même des tigres gigantesques. Il cherchait un logement pour s'installer avec sa femme, avec qui il avait repris la vie commune, et son fils, c'est-à-dire le fils du cuisinier. Je leur ai proposé ma maison devenue trop grande pour moi seule et me suis transportée dans le pavillon. Ainsi, nous étions ensemble sans nous gêner. Et je me suis trouvée mêlée à cette épidémie de fièvre aphteuse qui a décimé le cheptel de la région. C'était très agréable. Malheureusement, peu de temps après, Sophie a dû se rendre auprès d'une parente malade et n'est plus jamais revenue. Vladimir aussi s'absentait souvent, si bien que Sacha, le jeune garçon, se sentait très seul dans la grande maison et pour ainsi dire abandonné. Il était gentil et gai. Il n'avait pas peur. Mais la solitude finit par vous rendre triste. J'ai pris sur moi de le faire déménager dans une pièce de mon pavillon. Personne n'a trouvé à y redire. Il était encore au tout début de ses études et avait quelques difficultés. Il a bien fallu essayer de l'aider. Alors, je me suis mise à étudier en même temps que lui. Nous passons ensemble des soirées exquises. Et tout compte fait, quand on veut savoir quelque chose, autant apprendre par le commencement. Nous avons beaucoup progressé. Sacha est adorable. Il a l'air d'aimer étudier avec moi et avec lui. Au moins, j'en ai pour longtemps. Eh bien, n'est-elle pas gentille? N'est-elle pas touchante? Comme toutes les femmes, elle est une plante qui cherche sa terre. Tiens. Je voudrais te présenter une dame de la ville. Une dame de la ville, c'est autre chose. Chien. Tu saisis, n'est-ce pas, la différence entre un varzoï et un cornio? Les dames de la ville sont fines, racées, élégantes. Elles ont des sentiments délicats et un esprit délié. Elles ont des mains de fée et transforment en beauté tout ce qu'elles touchent.
Avez-vous remarqué combien le train favorise et accélère les relations et pousse à la confidence? Le compartiment de chemin de fer est le terrain d'élection de l'aventure. Monsieur. D'ailleurs, c'est un compartiment pour fumeurs. Raison de plus, chère madame, puisque le droit est de notre côté, de redoubler de courtoisie. Piotr Sobolev, fonctionnaire aux finances. Anna Julie Tarakan. Fumez, je vous prie, et ne forcez pas à vous demander un cigare pour vous mettre à l'aise. Ishki Tarakan, l'industriel? Lui-même. Et vous êtes naturellement sa fille? Non, sa femme. Je croyais savoir, enfin, il me semblait qu'il était très avancé en âge. Exactement. Ah. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, en voilà encore une qui s'est vendue à un riche vieillard. Oh, madame, je me dispense de rien penser. Pourquoi? Cela aussi est exact. Parfaitement exact. Je me suis vendue. Vous êtes en présence d'une prostituée légale. Rien ne m'interdit, madame, de supposer des liens plus profonds. Et comment dirais-je? Rien n'interdit. Mais vous n'y supposez pas. Et d'ailleurs, je ne nie pas l'évidence. Je n'ai jamais aimé mon mari. Je l'ai épousé pour son argent. Permettez-moi, moi, madame, de vous dire combien je me sens honoré d'une confidence aussi spontanée et fier de partager un pareil secret. C'est un secret pour personne. En fait, c'est la fin de notre vie. Mais il est vrai que vous êtes le premier à qui j'en ai parlé personnellement. Même si ce n'était pas l'exacte vérité, je suis tout à fait en accord avec votre pensée. Voilà. Vous êtes au courant de l'essentiel. Ah, si l'essentiel me permet de... Mon Dieu, si l'essentiel me permet de juger votre fortune à son immensité et vous en féliciter, vive l'essentiel! Demandez pas comment, pourquoi j'ai vendu ma jeunesse, ma beauté, ma liberté à un homme qui pourrait être mon aïeul. Je suis sensible à votre jeunesse. J'admire votre beauté. Mais je m'interdis de formuler quelque question que ce soit, mentalement ou oralement. Oh, comme vous avez été beau quand vous avez prononcé ces paroles. Je vais tout vous dire, comme à mon confesseur. Ne dites que ce que vous jugerez bon de dire. Je vais tout vous dire. Mon père était un petit employé dans un bureau administratif. Petit de grade, mais un grand ivrogne. Quand il est mort, il nous a laissés dans le dénuement, sinon dans la misère, maman, mon petit frère et moi. Je vous passe les épreuves que nous avons subies. Sachez seulement que je les apportais sans crainte. Et si il ne s'était agi que de moi, vous pensez bien que jamais, jamais je n'en serais venue là. Mais ma mère est tombée malade. Mon petit frère a marqué de telles dispositions pour les études que c'était criminel de ne pas leur venir en aide. Même au prix d'un pareil sacrifice. Même au prix d'un pareil sacrifice. Oh. Ce n'est pas à vous, madame, que je baise la main. Je m'incline devant la détresse humaine. Merci. Je me plais à croire que votre sacrifice n'a pas été vain. Que votre maman... Elle est morte. Lâche. Nous finirons tous par là. Mais au moins, avez-vous la satisfaction, la joie d'avoir mis, pour ainsi dire, le pied à l'étrier et assuré la carrière de votre frère? Il est mort. Ah! Une chute de cheval. Oh!
C'était moi qui parlais de pied à l'étrier. Quelle fatalité! C'est Échille. C'est Sophocle. Non, Ivan. Ah, Ivan. Pauvre Ivan. Fauché dans la fleur de l'âge. Victime de destin cruel. Oh, mais non, mais non, mais non. C'est vous la victime. C'est vous. Vous avez tout donné et vous avez tout perdu. Oh, merci. Merci. Jamais je ne trouverai les mots. Aïe! Oh, c'est ma broche. Vous vous êtes fait mal? Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'un petit bobo à côté de votre souffrance? Quel magnifique joyau. Oui, il me garde. Ah, faible compensation. Mais j'y pense, madame. Loin de moi l'intention d'attirer un nouveau drame sur votre charmante tête, déjà si cruellement éprouvée. Mais nous sommes tous mortels. Et si une certaine logique voulait enfin s'affirmer? C'est ce que je m'étais dit. Mais oui, votre calvaire ne peut plus être de très longue durée. Et riche, jeune, belle, noble, spirituelle, veuve enfin, vous referez votre vie. Un homme que vous aimerez, qui vous aimera, saura faire votre bonheur. Un bonheur chèrement payé, mais que je vous souhaite de tout cœur. Ah, c'est vous? Quelle étrange rencontre! Le destin s'amuse parfois à croiser les chemins. Mais j'y pense. Serait-elle exacte cette fatale nouvelle qui m'est parvenue? Votre époux vous aurait-il effectivement quitté pour un monde meilleur? Oui, il est mort. Vous êtes donc enfin veuve? Permettez-moi de vous féliciter chaleureusement. Oh, pardon. Permettez-moi de prendre part à votre affliction. Je n'aurai jamais de chance. Ah, je comprends, mais oui. Il ne pouvait en être autrement avec un cœur aussi noble que le vôtre. Cet homme qui, tout d'abord, vous faisait sans doute horreur, vous avez appris à le considérer, à l'apprécier, à l'estimer, à l'aimer peut-être. Et voilà que brutalement... Non, pourquoi vous mentirais-je? J'aspirais à cette libération. Et j'espérais avec ferveur rencontrer un jour un homme. Cet homme existe. Oui, je sais maintenant qu'il existe. Mais pourquoi alors ce visage triste, cette mine résignée? Si le bonheur s'offre à vous, il faut le saisir, madame. Il faut le saisir au vol. Impossible, bonheur. À quoi bon rêver? Oh! Je n'ai jamais eu de chance. Mais comment, puisque la chance, justement, semble favoriser? Voyons, que vous est-il arrivé? Un autre riche vieillard! Thank you.
d'abord parce que le Porto se boit avant de manger, ensuite parce que ce n'était pas du vrai Porto. Oh, ben, si ce n'est pas du vrai, ça ne compte pas. Ça ne l'empêche pas d'être exécrable. J'ai l'estomac sensible, moi. J'ai un estomac aristocratique. Il ne s'agit pas de me confondre avec le marchand Papoff. Il te plaît, hein, le gros Papoff, cette énorme brute. Pour une brute, c'est une brute. Ton Porto m'est resté sur l'estomac. Je peux vous faire une bouillotte? Dans cette chaleur, tu ne peux pas trouver mieux. Quand on a mal à l'estomac, il n'est pas recommandé de boire glacé. Mon Dieu, qui est-ce? Pour sans doute le facteur. Oh, oh, Katia qui me rapporte la robe que j'ai prêtée. C'est bien ici, Valérie Pita, chanteuse. C'est moi, madame. Ciel, ma femme. Mon mari est chez vous. Je le sais. Je suis Nina Nikolaevna, la femme d'Alexander Kropakov. Il est ici. Vous voyez Greg, non? Oui, je vois. Mais il est entré ici. Je l'ai suivi depuis le restaurant. Je ne peux rien vous dire. Je n'étais pas au restaurant. Oh, voilà une niaiserie. Elle n'était pas au restaurant. Je sais bien que vous n'étiez pas au restaurant. Vous voyez, il n'y a personne ici. Oui. Sans doute il s'est caché quand il m'a entendu entrer. Mais je ne m'abaisserai pas à fouiller votre appartement. Ne comptez pas sur moi pour vous offrir ce spectacle. Et n'essayez pas de mentir. Je sais qu'il est votre amant. Eh bien, si vous savez, que voulez-vous de moi? Ah non, pas ce ton, ma petite. Et ne vous sied pas de le prendre de haut. Alors c'est cela. C'est cela qui lui a fait tourner la tête. 10 copecs de rouge et de poudre et de cheveux teints. Et monsieur abandonne sa famille, humilie sa femme légitime, brise son foyer. Me direz-vous enfin qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez à lui donner que je n'ai pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il trouve ici qui lui manque à la maison? Dites-le-moi. Je ne sais pas. Je ne suis jamais venue dans votre maison. Vous vous moquez de moi? Vilaine femme, fille perdue, créature. Comment osez-vous venir me rire au nez avec cette impudence? Je ne comprends rien ce que vous dites. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Je vois votre jeu. On joue à la naïve, à la fille simple, au cœur sur la main. Et on prépare ses griffes. Vous êtes une bête de proie, un rapace. Je veux tout savoir. Vous allez me dire comment vous l'avez attiré dans votre rang. Je n'ai jamais attiré personne. Nous autres artistes, nous ne pouvons refuser si des admirateurs veulent nous faire visite. Le patron nous flanquerait la porte. La malheureuse, victime du devoir. Voulez-vous que je pleure avec vous? Je ne demande rien. Alors racontez. Racontez comment vous vous y êtes prise pour lui tourner la tête. Je ne m'y suis pas prise du tout. Les messieurs qui veulent nous voir viennent nous faire visite. Alexandre est venu comme les autres. Alexandre? Elle ose l'appeler Alexandre? C'est le nom qu'il m'a donné. Il n'a pas voulu m'en dire davantage. Et à quel titre? Je vous prie. Il devait vous en dire davantage. Bon, il est venu et après? Cela dépend. Qu'est-ce que cela veut dire, cela dépend? Quelquefois, je lui faisais du thé, et d'autres fois, il me demandait de lui chanter quelque chose. Chanter? Je suis choriste maintenant, mais avant, je faisais solo. C'est cela. Il vient chez vous pour boire du thé et pour vous entendre chanter. C'est tout. Vous savez bien? Qu'est-ce que je sais? Des fois, quand ça le prend, il faut ce qu'il faut. Séductrice! Tu avoues? Tu as avoué? Tu l'as tiré, tu l'as poussé à la débauche, à la dépravation. Il n'appelle pas ça comme ça. Et toi? Pas un mot. Je ne veux pas entendre ces horreurs. Dieu te punira. Mon Dieu, quelle misère, quelle misère. Nous formions un couple uni, un foyer modèle, 4 enfants. Et voilà que le malheur s'est abattu sur nous.
père ne connaît plus ses devoirs. Il déserte son foyer pour une chanteuse dans le corps d'obscène, pour qu'il est prêt à toutes les folies. Et le petit cœur à rougeole. Ne pleurez pas, madame, ce n'est rien de sérieux. Rien de sérieux. Rien de sérieux. 900 roubles qui se sont évaporés, dont il ne peut pas me rendre compte. Je n'y suis pour rien. Elle n'y est pour rien. Voyez-vous l'innocente? Pour qui prenez-vous? Croyez-vous que je ne sache pas ce qu'il coûte à un homme d'entretenir une maîtresse? Non, je vous jure, il ne m'a jamais donné d'argent. Ne jouez pas sur les mots. C'est ce qu'argent veut dire. Il paie votre loyer, il vous fait des cadeaux. Non, je ne suis pas une prostituée, je gagne ma vie. Je vois la brave petite méritante, courageuse, le socialisme. Alors, voulez-vous me dire ce que sont devenus mes 900 roubles? Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Après tout, vous avez sans doute si peu la notion de l'argent qu'il se peut que vous ne vous rendiez même pas compte des frais que vous lui imposez. On sait quelle cigale vous êtes, vous autres. Ce n'est pas vous qui vous usez les yeux à repriser, les mains à faire la lessive. Pour vous, tout est facile. Vous n'avez pas à compter. Oh, si, je dois compter. Mon cachet de choriste n'est pas gros. Ça, bien sûr, si vous n'aviez que votre cachet de choriste. Mais je ne suis pas venue pour vous juger. Peut-être avez-vous été blessé. Et peut-être avez-vous des raisons pour détruire le bonheur des autres. Pour réduire un homme en esclavage, pour le ruiner par vos caprices et le transformer en épave, en déchet. Que puis-je faire pour vous? Vous devez refuser de le revoir. Eh bien, je vous promets, je ne le verrai plus. Et me rendre mes 900 roubles. 900 roubles? Mais je ne les ai pas. Vous plaisantez? Peut-être n'avez-vous pas 900 roubles d'argent liquide, mais des bijoux, des fourrures. Alexandre ne m'a jamais donné de bijoux. Allons donc, il sort. Ah, mes boucles d'oreilles, mais ce n'est pas lui qui me les a données, c'est M. Potapov. Alors, où sont celles qu'il vous a données? Vous avez raison. Il m'a donné une paire de boucles d'oreilles au tout début. Et c'est le seul cadeau qu'il m'ait jamais fait. Voilà, prenez-les. Ça, mais ça vaut à peine 20 roubles. Je sais. Je veux mes 900 roubles. Il ne m'a jamais rien donné d'autre. Il a porté seulement quelquefois un peu de pâtisserie. De la pâtisserie? Alors que ses enfants manquent de pain? Seigneur, faudra-t-il que je vous supplie à genoux? Eh bien voilà, soyez heureuse. Me voilà à vos pieds. Non. Relevez-vous, s'il vous plaît! Pour le peine de mes enfants, je suis prête à ramper, à m'humilier. Je vais vous donner mes autres bijoux, bien que ce ne soit pas Alexandre qui me les a donnés. Dieu vous pardonne. J'ai honte. Je lui ai tout donné.
genoux devant toi. Devant toi. Que Dieu me pardonne. Garde-toi, misérable. C'est toi qui m'as entraîné dans le vice. Puisque je suis donc tombé pour que cette femme, cette sainte femme, en soit réduite à s'humilier, à ramper devant lui. Une chanteuse. Mais quoi souffrir dans son orgueil. Mon Dieu, j'ai piétiné son honneur, j'ai écrasé son âme. Courez après elle, ne la laissez pas ainsi, demandez-lui pardon. Oui, oui, je la rattraperai, et je me jetterai à ses pieds. Et toi, toi, que je ne te rencontre plus jamais sur mon chemin. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. Seulement, la semaine dernière, papa, le gros marchand de tissu, m'avait promis de la soie pour une robe. Il est venu. Il a bu. Il m'a battu. Très fort. Pour rien! Pour rien! Fringant! Non, mais décent! Correct! C'est enfin que doit être un homme convenable lorsqu'il va faire sa demande en mariage. Un homme dans la force de l'âge, qui a bien mûri sa décision et qui a pesé le pour et le contre. Un homme d'avenir, qui certes a un passé, mais qui a su prendre assez d'altitude pour voir loin. Et qui sait compter assez pour savoir qu'il n'a rien dans sa poche. En un mot, j'ai la chance de m'établir auprès d'un être que j'aurais soigneusement choisi pour son aspect agréable et ses belles manières. Et 30 000 roubles de rente. De quoi vous rembourser toi et les autres? Et m'organiser une existence digne de mon talent. Car on me publiera, mon vieux. Et on me paiera. On paie toujours volontiers ceux qui n'en ont pas besoin. Et c'est dans la poche, mon vieux, c'est du tout cuit. Je te le dis qu'elle est amoureuse comme une chatte. Bon, bien sûr, il y a encore été dit, mais et tout cela dit, dans 5 minutes et dans les règles. Où est l'obstacle? Qu'est-ce qu'il chiffonne? Moi? Mais rien. La pureté de l'air a quelque chose de magique. Est-ce votre présence? Mais je ne crois pas que quelque part sur la terre, on puisse respirer un air aussi vivifiant. Comme vous avez bien remarqué, c'est toujours ainsi après l'orage. Regardez, il y a encore des gouttes sur les feuilles. Oui, des gouttes sur les feuilles. Comme les larmes délicieuses de l'amour sur un cœur. En un mot, la nature nous donne une leçon. Vous entendez? Le rossignol. Oh, 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 comme vous avez dit ça. Cette phrase a sonné à mon oreille comme si elle avait déjà été prononcée jadis par quelqu'un. Vous entendez le rossignol? Je suppose que c'est ce que disent tous ceux qui entendent le rossignol. Barbara, adorable Barbara, tout le monde aussi demande de l'eau. Donnez-moi un peu d'eau. Croyez-vous que cela sonne de la même façon lorsqu'il s'agit d'un sexagénaire altéré qui s'éponge le front, et d'une petite fille qui en a assez joué au cerceau, ou d'un mourant sur un champ de bataille? Un peu d'eau! Parfois c'est le quotidien, parfois le cri d'une âme. C'est comme l'amour. Personne n'a honte de s'écrier « J'aime le chocolat !» Mais essayez de dire à l'être que vous chérissez plus que votre vie « Je vous aime » et vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, mais pourtant quand c'est vrai, cela devrait être la chose la plus simple. Et la pudeur, Barbara. La pudeur de cœur jaloux du trésor qu'il porte. C'est un égoïste. Et
et l'angoisse, l'orgueil, la crainte horrible d'être bafoué par un refus. Bien sûr, mais si on vous aime, si on vous a marqué une préférence évidente... Barbara, on sait qu'on aime un être conscient de ce qu'il est, n'est guère plus qu'un vermisseau, un moucheron qui chauffe au soleil. Peut-il oser croire que ces rayons qui l'éblouissent marquent une prédilection? Dites-le moi, je vous prie. Je ne sais pas. Vous voyez? Oui. Oui. Où étais-je? Je ne sais pas. Le soleil. Ah oui, le soleil. À propos, votre maman se porte bien? Oui, merci. Pourquoi à propos? Que sais-je? Je pensais à vous. C'était naturel de penser aussi à votre chère maman. Elle vous estime beaucoup. Merci. Quelle journée! Oui! Quel silence! Que pensez-vous de ce silence merveilleux de la nature? Je pense qu'il a assez duré. Oh mon Dieu! Non, mais c'est cela! Vous avez un sens inné, exceptionnel des choses. Bien sûr, le silence a assez duré. Il faut rompre le silence. Il faut parler. Croyez-vous, chère Barbara, que je suis venue justement pour vous parler, uniquement pour vous parler, pour vous poser une question, une seule. Posez votre question. Avez-vous lu Shakespeare? Dans ma jeunesse. Roméo et Juliette. C'est beau. Prenez Roméo et Juliette. Ajoutez-y Tristan, Isée, Paul et Virginie, et vous aurez une faible idée de ce qui se passe dans mon âme lorsque je pense à vous. En un mot, je vous aime. Eh bien, mais vous ne dites rien. Mais quel est le sort de ce... Mais ça pourrait-il que... Ah non, si c'est non, dites-le. Percez mon sein. Pourquoi non? Mon ange, mon soleil. Ah, voilà une bonne chose de faite. Je suis heureuse. Oh, et moi donc. Au 7e ciel. Nous voilà, pour ainsi dire, mariés. À moins que votre chère maman... Oh, non, elle est d'accord. Ah, vous avez envisagé? Oui. Ah. C'est-à-dire, non. Ah. Maman disait toujours que c'est un homme comme vous, de votre culture, de votre intelligence, de votre bonté. Mon physique ne lui plaisait pas. Oh, si, j'en suis sûre. Seulement, ce sont des choses qu'on ne dit pas. On a tort. Elle admirait votre prestance, votre maintien, votre élégance. Et vous? Je vous aime. Non, Barbara, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'obstacle. Ah, aucun, du moment que vous êtes déclaré. En somme, vous m'attendiez. Oui. Oh, maintenant, tout est si clair, si simple. Pas si simple, Barbara. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Je ne suis pas riche. Oh, ce n'est pas un empêchement. Non, ce n'est pas un empêchement. C'est un fait. Oui, c'est un fait. Tu aurais pu constituer un empêchement. Pourquoi? Au cas où, par exemple, votre défunt papa aurait jugé disproportionné votre situation et la mienne. Vous avez un grand avenir. Les parents préfèrent le présent et votre défunt je papa... Je ne l'ai pas connu. Moi non plus. Vous voyez? Je vois que vous êtes une orpheline. Enfin, une demi-orpheline. Et qu'il est de mon devoir de remplacer ce père qui vous manque tellement en ce moment. Mais un mari doit remplacer un père pour sa femme. Mais nous ne sommes pas encore mariés, Barbara. Mais ça ne doit pas tarder, vous êtes bien d'accord? Tout à fait d'accord, mais là n'est pas la question. Le rôle du père est justement de s'opposer à un mariage qui juge l'opportun. Heureusement qu'il est mort. C'est... Souffrez que je remplace. Je ne suis plus une enfant. Barbara, si je vous mets en garde, si je vous parle ainsi, c'est contre moi que je parle. Contre mon bonheur, contre mon intérêt. Mais alors c'est bête. Oui, c'est bête. Mais je ne peux pas étouffer cette voix de l'honneur qui me susurre. Sois honnête.
Avertis-la alors qu'il est encore temps. Oh, mais avertir de quoi? Seriez-vous malade de la poitrine? Je suis pauvre. Oh, mais je le sais, vous l'avez dit, redit. Le savez-vous assez? Oh oui, et puis l'argent ne fait pas le bonheur. Je sais bien, Barbara. Mais c'est ainsi que je vous aime. Et vous m'aimez ainsi, fringant, paré pour demander un mariage. M'aimerez-vous au quotidien? Mais c'est de cela que je rêve, de la vie de chaque jour, d'auprès de vous. Et comment vous représentez-vous cette vie? Petit déjeuner au lit avec du saucisson, du thé, du miel, du fromage de lin, de la confiture de fraises, de roses, de prunes et du beurre, au buton, voilà. Oh, je vais vous faire des tartines. Et qui préparera le déjeuner? Oh, la bonne. Il n'y aura pas de bonne, Barbara. Pourquoi? Il y en a toujours une. Pas chez les pauvres. Passons. Ah. Bon, je me lève, je passe ma redingote et je vais au journal. Et vous? Je prends un bain. Il n'y a pas de bain. Nous irons une fois le mois au bain public ou à la rigueur tous les samedis. Mais je suis habituée. Oui, je sais. Bon, vous faites votre toilette et ensuite. Je vous attends. J'ai lu un roman. Non, faites le lit. Vous balayez, vous astiquez les cuivres et les casseroles dans la cuisine. Et la cuisinière? Pas de cuisinière. Vous allez au marché et vous vous ingéniez pour composer un menu pour peu d'argent. Le soir, vous préparez le dîner. Je vous fais un beau pâté. Trop cher, des pommes de terre et la viande bouillie. Vous voyez tout en noir? Oui, mais dans le noir, je vois clair. Le soir, je rentre. Je me jette à votre cou. Je vous repousse. Pourquoi? Est-ce que je sais? Une déception, un échec, une humiliation. Bref, je suis de méchante humeur, déplaisant, désagréable, brutal. Oh, vous me battrez? Ah, je ne sais pas, je vais. En amour, les réconciliations sont délicieuses. En attendant, je m'écarte de vous, je m'assieds et je prends la tête dans les mains. Vous êtes malheureux? Non, je cherche un prétexte pour filer jouer aux cartes avec des amis. Vous êtes joueur? Non, mais on le devient. La misère, l'ennui. On glisse, c'est tout de même mieux que de boire. Vous ne buvez pas? Pas encore. Oh, je vous empêcherai. Vous m'empêcherez? Quand vous me verrez rentrer chaque jour, déçu, désespéré, découragé, nous croyons que mon talent, c'est vous-même qui me poussez vers l'estaminet pour me changer les idées. Mais s'il le faut? Je rentrerai tard. Fascinant. Dépeigné, les vêtements souillés, je me laisserai tomber dans un fauteuil, l'œil hagard, la lèvre amère, déjà prématurément ridé, le cheveu rare, les ongles sales. Oh mon Dieu! Vous irez vous asseoir devant votre coiffeuse, si nous en avons une, et vous verrez surgir devant vous un visage méconnaissable. Où est-elle, cette fraîcheur des joues, ce velouté de la peau, cette vivacité charmante de l'œil? Des traits tirés, un nez passé qui s'allonge, des mains flétries par la lessive. Machinalement, vous prendrez votre peigne et vous compterez aux cheveux gris et ainsi, tous les jours jusqu'au bout. Mais il y a tout de même de bon moment. Et bon moment, ça passe vite, la passion s'épuise, la gaieté s'en va. Alors commencent les reproches, les disputes. Qu'as-tu fait de mon argent? Et tes belles promesses? Ah, tu as dilapidé ma dot! Vous avez dilapidé? Mais naturellement! Oh, et tout ça vraiment! Pauvre! Mais je tiens à vous le dire! Bon, vous m'épousez en connaissance de cause? Non! Je ne sais pas! Je ne sais plus! Comme vous êtes honnête! Comme vous êtes noble! Je ne vous vaux pas! C'est vrai que je suis une enfant gâtée, un objet de luxe inutile. Oh, chère Barbara, ne vous désolez pas. Cette façon impitoyable de vous juger est un sauvegarde de votre honnêteté. Et je crois maintenant que vous aurez le courage d'affronter. Justement, je n'aurai jamais le courage. Oh, peut-être les choses ne seront-elles pas aussi lugubres que je vous les ai présentées. Peut-être réussirai-je. Peut-être, vous voyez. Probablement. Probablement, mais ce n'est pas assez. Oh non, je préfère rester vieille fille. Mais nous étions d'accord. C'était de l'étourderie, je me suis engagée inconsidérément. Vous avez dit que vous m'aimiez. Oh oui, je vous aime. Je vous aime énormément et je vous admire. Alors? Alors? Oh, je vous suis très très reconnaissante de m'avoir révélé la vérité. Oh, merci, merci. Vous avez été un père pour moi. Oh, merci, merci.
j'ai pas de cœur pour le dire. Tu crois? Donne. Oh, on verra. Voilà, je crève pendant qu'il sipe ma vodka. Oh, tu es injuste, Maxime. Madame, tu es sur le point de s'évanouir. De mieux en mieux. C'est moi qui souffre comme un damné. Je suis ma mère qui s'évanouit. Passe-moi cette vodka. Cela peut me faire du mal. Bien de me faire plus mal. Et si seulement vous vouliez m'écouter, Maxime Petrovitch. Quoi encore? Mais le vétérinaire. Quoi, le vétérinaire? Mais il est aussi dentiste les jours de fête. J'ai vu arracher des dents, là. Il passe comme ça. Si tu me parles encore d'arracher, je te dis. Maxime, je t'en supplie. Mais foutez-moi la paix. Foutez-moi tous la paix. Ah, mon Dieu, que je sens. Essayez encore de vous gargariser, cela soulage. Au diable. Je me suis déjà brûlé le gosier avec ton bouillon de sorcière. Ah, vous êtes tous bons. L'homme va me faire arracher des dents que Dieu m'a donné par un vétérinaire. Et l'autre, mes bouillants, t'es vivant. Mes amis, je compris une grande vérité. Il n'y a au monde que deux sortes d'hommes, ceux qui ont mal aux dents et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas ne comprendront jamais les autres. C'est la camomille pure, c'est très bon. Ma grand-mère. Ah, que ta grand-mère, c'est la camomille. Mais Maxime, je t'en supplie. Respecte-toi si tu ne respectes pas les domestiques. Trouve autre chose. Je n'en veux plus. Ose, petite idiote, ose. Il y a un encore son mouchoir. Ah, chut. Quelle musique? Ça râle. Un sorcier. Non, un innocent. Innocent de quoi? Seulement innocent, il a un pouvoir. Un pouvoir? Oui, quand il t'enlève ta rage de dents, hop, comme avec la main. C'est vrai, cette histoire de bonne femme? Oh, que Dieu me foudroie. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'on me l'amène. Tu peux pas y penser plus tôt. C'est que... Voyons, Maxime, tu ne peux pas croire à ces manivernes. Un garçon instruit comme toi. Quand on a mal aux dents, madame ma mère, comme j'ai mal, on croit n'importe quoi. Amenez-moi cet homme, comment il s'appelle? Zahari. Quand même, je sais, c'est Zahari, immédiatement. C'est qu'il n'est plus au village, Zahari. Il n'y est plus. Où est-il? Oh. Il se faisait vieux, alors son gendre l'a emmené avec lui à la ville. Alors qu'on attend, qu'on aille chercher Zahari à la ville. Vite. Tu connais l'adresse? Non. Imbécile. Allez, mais je connais le nom du gendre. Avec le nom, c'est facile à trouver. Il y a qu'un. Ma langue, le nom du genre. Je l'avais sur le bout de la langue. Tu t'en souviens pas, Anouchka? Je ne l'ai jamais su, je ne le connais pas, le genre. Oh, il ne manquait plus que ça. Il donnait le nom. Dieu que c'est bête. Je l'avais là sur la langue et voilà qu'il s'envole comme un oiseau. Ah, je t'en foutrais, moi, des oiseaux. Crucifiez-moi, tuez-moi, j'en peux plus. Un nom si facile. Un nom de cheval. De cheval? Ah oui, je suis sûr. Un nom de cheval. Ou quelque chose qui se rapporte au cheval. Comment se rapporte? Je vois quelque chose comme la bride. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas la bride. Alors, ton de bride. Ou trotteur. Pardon? J'ai dit trotteur. Trotteur, non, pas trotteur. Ah, alors, pêcheron. Mais non, pas pêcheron. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, là? Pêcheron. Peut-être le harnais. Ou Knut. Knut. C'est ça que tu as, non? Le sabot, crin. Non, pas le grenier, étrier, sel. Ah, c'est pas sellier? Il y a quelque chose, là. C'est pas ça. Mon cher André, ça peut être une voiture, calèche ou berline, landau. Brancard, cabriolet, galop, galopin. Non, pas galopin. Mort, sangle, sanglier. Non. Ah, merde. Et pourquoi pas chevalier ou chevaux légers? Non. Attendez. Attendez! Un enveloppe chaque partie! Mais quelque chose comme ovipare! Là, mon Dieu, tu dérailles complètement! Non, c'était la consonance! C'est grave avec sa consonance! Ça pourrait être étalon! Étalon! Ça pourrait être, mais c'est pas! Calme! Canasson! Non! Hippo! Hippique! Hippophage! Hippocampe! Hippopotame! Pas dans le cheval, on dit! Mais on appelle les hippopotames les chevaux des fleurs! Mais puisqu'on dit que c'est pas hippopotame! Mais je vous laisse le mot t'expliquer! Mais on traite des explications! Pégase! Pégase! Mais non, pas
Pégase. Pégase. Mais trouve-moi un âne qui s'appelle Pégase, toi. Ouais, peut-on être bête à ce point-là? Pégase. Pégase, un paysan russe, imbécile. Je te prie d'être poli avec ta mère. Je suis comme je suis, et mère ou pas, une imbécilité est une imbécilité. Mufle, goujat. Pégase. Ah, Pégase. Cette petite main diligente. Merci, maman chérie. Oh, Dieu soit loué, j'étais sûre que c'était madame qui t'ouvrait. Oh, mais c'est tout de même bête, hein. Un homme que je connais depuis 20 ans, j'ai sur le bout de la langue. Mais puisqu'on n'en a plus besoin. Ah, ma tête est pour rien. Non, justement. Vous pourrez aller à la ville. J'ai là toute une liste de commissions. Et pour Maxime Petrovitch, et pour moi, et pour la maison. Attends. Je sais pas si j'ai pensé à l'avoine pour les chevaux. André?
vu comme ils sont beaux, comme ils sont grands, les hommes. Je vois, tu n'es pas convaincu. D'accord, il y a à redire. Mais toi, quand tu regardes l'homme, tu ne vois que ses pieds qui pataugent dans la boue. Oui, il a les pieds dans la boue et les yeux dans les étoiles. Cela ne t'intéresse pas, le firmament? Oh. Ah oui, la lune. Mais il n'y a pas que la lune, mon vieux. Il y a l'humour, l'indulgence, la pitié, la poésie. C'est cela la grandeur de l'homme. Cela ne t'impressionne pas. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as raison. Tout notre drame tient dans ces deux petits mots. Vivant et mort. Oui, oui. L'homme vit. Il marche, il pense, il crée, il accumule. Et tout d'un coup, rien. Il parlait 15 langues. Il portait en lui un monde de savoir, d'amour et de haine. De quoi embraser la terre et la consoler. Et subitement, rien. Rien du tout. Oui. Les chiens aussi meurent, je sais. Mais ils n'y pensent pas. L'homme, le roi de l'univers, devrait être éternel. Et pourtant, il crève comme un chien. Et ceux qui marchent sur la terre marchent aussi sur lui. Ah, ta gueule. Ah. Oui. Certains héros laissent une trace. Le chant d'amour de Tristan répond aux cantiques des cantiques. Le roi Lear s'élève jusqu'au fumier de Job. Mais moi, Wagner, moi, Shakespeare, moi, Mozart, moi qui pressais une main de femme sur mes lèvres, moi qui goûtais le lait et le miel et le vin aussi, moi, l'homme et ma passion, moi, l'homme et ma colère, moi, l'homme et ma douceur. Ah! À quoi bon discuter? J'aime tant les beaux soirs. En moi, tu ne vois que l'os. Eh bien, d'accord, mon vieux. Je te lègue les os. Top là! Écoute, sais-tu qu'il existe un jardin enchanté? Un jardin où l'homme tient tête à la mort, où s'arrêtent les saisons, où fleurit un éternel printemps. Ah, le printemps, ça te dit quelque chose, hein? Ah! Alors, peut-être l'amour? Je ne cherche pas à me voir meilleur que je ne suis, ni surtout pire, ce qui relèverait de la plus vulgaire complaisance. Alors, si vous voulez, je me considère comme très représentatif de l'homme d'un certain milieu, d'une certaine classe sociale, parvenu à un certain âge. En gros, je suis un vieux sanglier. Ah, je ne dis pas un porc, un vieux sanglier encore gourmand et attiré par les petites femelles de rencontre. Ah oui, citoyen honorable, marié, père d'enfants adolescents et nanti d'une position sociale enviable, je suis resté ou peut-être devenu ce que les Français appellent un chasseur.
L'apparence d'une femme inconnue me ranime, me remet en état d'alerte, me permet de retrouver une certaine intensité. C'est ce qui m'a décidé une fois pour toutes à prendre mes vacances en solitaire, en homme disponible. Bon, remarquez, je ne borne pas mes aventures à ces vacances estivales, mais il convient de distinguer les deux modes bien différents d'exercices cinégétiques et l'application des deux méthodes. De deux méthodes ? Ben voyons, la méthode hivernale et la méthode estivale. Comment pouvez-vous ignorer une notion aussi élémentaire ? Ah. On ne chasse pas de la même manière en hiver et en été ? Tiens, on dirait que cela vous intéresse. La vertu ne serait-elle rien d'autre qu'un manque de technique ? Peut-être. Ah. Il s'agit là moins d'une question de climat et de température que de la nature du gibier. L'hiver à la ville, on se trouve fatalement réduit à prospecter dans un secteur restreint de relations. On a donc affaire à un cheptel catalogué. Non, jamais je m'habituerai à ce langage. Cheptel, gibier. Vous n'aimez pas les femmes? Au contraire, il me semble que c'est parce que je les aime et les respecte. Oh, voilà deux sentiments qui ne vont pas ensemble. Vous avez pour la femme le même mépris qu'a le chasseur pour le lapin ou le faisan quand il le fourre dans sa carnassière. Oh, vous n'aimez pas les bêtes, vous n'aimez pas la chasse, vous n'aimez rien, quoi. Et je ne sais pas si vous seriez capable de comprendre en quoi consiste la tactique du boa. Du boa? Dites toujours. Eh bien, la traque hivernale est surtout à base de patience. En hiver, voyez-vous, la femme se sent sur la terre ferme. Bon, je parle de la femme mariée. La tactique consistera à lui faire perdre pied, à sortir de son terrain. Bon, si l'homme est beau, jeune, séduisant, une valse, un peu de champagne suffiront, mais si l'homme est vous, ou moi, ce sera plus difficile. Nous ne pouvons compter que sur l'envoûtement, la manière du boa. Par exemple, je m'intéresse à la femme d'un de mes collègues. Appelons-le Sibarik. Elle ne m'a jamais remarqué, jamais regardé vraiment. Un soir au club, je le jette à Sibarik. N'oubliez pas de transmettre mes hommages à votre épouse. C'est la plus délicieuse créature que j'ai jamais rencontrée. Une pure merveille. Tant que cela, me rétorque l'époux sceptique. Mais le soir en rentrant, il est content de cette occasion d'être aimable avec sa femme un peu de frais avant de se ruer sur son journal. Oh, tu as les hommages de notre ami B. Et quels hommages? Il est positivement étonné par toi. Pour lui, tu es une merveille, un trésor. Et Sibaritov peut lire son journal tranquillement. Sa femme est occupée. Elle est occupée à se rappeler mes traits, les quelques mots qu'elle m'a entendu prononcer, dans quelles circonstances nous avons fait connaissance. À quelque temps de là, je la rencontre chez des amis. Bon, je garde une réserve polie. Mais nos regards se croisent, deux fois, par inadvertance. Un jour au club, je me montre indigné qu'un de nos célèbres portraitistes ait choisi la comtesse J pour incarner la beauté russe, alors qu'il connaît la femme de Sibarik. Nathalie, vous croyez? Oui, il fallait une brute comme ce peintre en bâtiment pour ne pas voir tout le mystère de la Russie dans les yeux mauves de Nathalie. Il ne faut pas avoir peur des formules empoulées, voire ronflantes, ça porte toujours. Le lendemain à table. Pourquoi me fixes-tu ainsi? Je cherche à voir la couleur de tes yeux. Après 8 ans de mariage, tu t'intéresses enfin à la couleur de mes yeux. Mais prétends que tu as les yeux mauves. Il a encore parlé de moi. Et avec quelle admiration! Il est amoureux de toi, ma parole. Un peu plus tard, Nathalie se plaint à son mari d'être trop seul, de manquer de distraction. Tu n'invites plus personne. Et si j'invitais B, il sera sûrement ravi de voir de plus près son trésor aux yeux du reste. Oui, c'est ainsi qu'il t'appelle, comme on va votre Nathalie aux yeux de Violette. Hein? Il s'intéresse toujours beaucoup à toi. Il dit que tu es une artiste, que c'est dommage de laisser dormir ton talent. Il te suppose je ne sais quelle vocation secrète. Hein? Quelle imagination! Toi, ce n'est pas l'imagination qui t'étouffe. Alors je l'invite, nous parlerons de ta vocation. Et c'est avec une feinte indifférence que Nathalie répond. Si tu veux. Et moi, je décline l'invitation. Un travail absorbant. Je laisse entendre qu'il s'agit d'une œuvre importante. Je ne veux pas me laisser disperser.
J'ai loué une chambre près du parc pour être tranquille. Et la seule récréation que je vais me permettre, c'est une heure de promenade autour de la patinoire tous les soirs de 5 à 6. Et c'est ainsi qu'un soir, dans une allée proche de la patinoire, je la rencontre, entre 5 et 6, par hasard. Et tandis que je m'approche lentement, sans la quitter des yeux, je rencontre son regard de somnambule angoissé et déjà soumis. Le regard du lapin fasciné par le boa constrictor. Et ensuite? Ensuite, c'est fini. Je lui baise la main, toujours les yeux dans les yeux. Je retiens sa main dans les miennes. Et moi aussi, je lui souffle. Venez chez moi. Elle me suit. Je suppose que cette aventure est réelle et que les choses se sont exactement passées ainsi. Y compris la patinoire et les yeux mauves. Mon Dieu, comme tout cela est démodé. Démodé. C'est en tout cas toujours efficace. Mais quelle joie pouvez-vous tirer de toutes ces manœuvres, tous ces calculs? Les joies de l'affût. La chasse estivale, c'est autre chose. En vacances, tout engage à l'aventure. Elle imprègne le voyageur solitaire dès le marchepied du wagon. Là, le problème est d'entrer en contact et de se faire préférer. Et vous avez déjà quelqu'un ici? Pas encore. Pour ne rien vous cacher, une jeune personne est apparue sur la jetée depuis 2 jours. Toujours seule, le genre colon. Et cela vous paraît trop facile. Ah, il ne faut pas s'y fier. Je l'appelle la dame sans petit chien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de petit chien. C'est là un indice inquiétant. Une femme tentée par l'aventure connaît bien l'efficacité d'un petit chien pour l'entrée en matière. Curiosité est éveillée. Vous voudriez bien connaître la tactique d'été, non? Eh bien oui, j'avoue que je suis assez curieux. Vous cherchez quelque chose? Vous avez perdu quelque chose, monsieur? Pardon, vous m'avez parlé? Oui, vous demandez si vous aviez perdu quelque chose. Moi? Non, rien du tout. Ah, excusez-moi, vous sembliez chercher. C'est exact, je faisais semblant. Vous faisiez semblant de chercher? Oui, je cherchais votre petit chien. Mon chien? Mais je n'ai pas de chien. Et justement, c'est cela qui est exaspérant. Pardon? Ne savez-vous pas qu'un chien, c'est un merveilleux trait d'union entre deux inconnus? Toutes les jolies femmes devraient avoir un chien. Imaginez un instant. Vous êtes assise là, tout à fait indifférente à ma personne. Oh, votre petit chien a entendu le bruit de ma cuillère à café. Il vient quémander du sucre. Oh, j'ai horreur qu'on donne du sucre au chien. Ah. Vous savez, le sucre, c'est le commencement de l'esclavage. Demain, fais le beau. Je vous obéis, mais je lui refuse le sucre. Pas de sucre, ta maîtresse ne permet pas. Et ne fais pas le beau, hein, je t'en prie. Oh, vous lui avez fait peur. Et à moi aussi, avec votre grosse voix. C'est vrai, regardez comme il revient penaud se fourrer dans vos jupes. Le beau. Et voilà. Quoi? Vous avez ri, la glace est rompue. Oh, je suis très rieuse. N'importe quelle bêtise me fait rire. Oh, pardon.
Je suis prêt à payer ce prix-là, le plaisir de faire connaissance. Vous vouliez faire ma connaissance? Mais c'est pourtant moi qui vous ai interpellé la première. Si l'on veut. J'ai dû faire le beau, moi aussi. Voilà à quoi nous en sommes réduits, nous autres humains, pour faire connaissance. Pourtant, c'est si simple. Ben, vous croyez? Essayons. Madame, voulez-vous me permettre de vous parler? Tout simplement. Vous voyez, d'abord cela sonne faux. Ensuite, même en admettant que vous me répondiez avec empressement, et très volontiers, cher monsieur, que vous dirais-je? Je serais plus court. Je chercherais à être spirituel et intéressant. Vainement, sans doute. Tandis qu'une petite comédie nous met tout de suite à l'aise. Et ainsi, nous avons déjà beaucoup parlé lorsque nous nous apercevons que nous parlons. C'est ma foi vrai. On s'ennuie beaucoup ici. On s'ennuie quand on est seul. C'est vrai. J'attendais beaucoup de mon séjour ici. Et puis, cette solitude... Oh, avouez que ce serait injuste. Je suis seul, vous êtes seul. Et nous serions restés là à nous morfondre sous prétexte que vous n'avez pas de chien. Oui, c'est vrai. Je suis en faute. Oh, il ne faut pas trop le regretter. Si vous aviez un chien, l'autre aurait pu se présenter. Je ne m'en serais jamais. Oh, vous exagérez. Oui. Pourtant, je suis très content, très fier d'avoir réussi à vous parler, à vous faire rire. Ah, mais vous m'avez dit que vous riez souvent. Oh, non, je ris facilement. Mais je n'en ai pas souvent l'occasion. Et votre mari? Vous êtes marié, n'est-ce pas? Il ne rit pas. Ah, si vous permettez, je m'appliquerai à vous faire rire. Oh oui, j'ai tellement envie de rire. Il paraît que les femmes se souviennent toujours des hommes qui les font rire. Et il y a beaucoup de femmes qui se souviennent de vous? Vous avez l'habitude de ces petits numéros pour entrer en propos? Je vais vous faire un aveu. C'est la première fois. Je me suis jeté à l'eau. En réalité, je suis timide. Moi aussi. Oui, mais vous, c'est vrai. Je devine vos pensées. Vous me jugez sévèrement. Toute cette comédie était d'une gaucherie, d'une puérilité. Mais non, vous m'avez amusé, réellement. Oui, bien sûr. Parce que j'étais ridicule. Vous n'avez qu'une idée, c'est de me planter là. Mais non, pas du tout. C'est vrai. Vous accepteriez de m'emmener faire un tour sur la jetée? Mais bien sûr. Comme vous êtes gentil. Ah, regardez. Un navire. Il vient de loin, sans doute. Ce doit être un grand navire. Les lumières sont très hautes. Oh, nous oublions quelqu'un. Comment? Médor! Ah non, pas Médor. Médor, c'est un grand chien. Je vous ai bien observé l'autre jour. J'ai suivi dans le moindre détail votre manège. En présence d'une femme, vous vous épanouissez. Chacune de vos flèches touche la cible. Vous ironisez. Mais non, au contraire. Je comprends maintenant ce que vous appelez aimer les femmes. J'y vois même un mérite particulier. L'homme-femme devient plus vivant en présence d'une femme. Et c'est cela qui vous autorise à les tromper, à leur faire des déclarations passionnées, à leur jouer l'émotion. Je joue ou ne joue pas. Le désir est une émotion aussi. Et il s'agit chaque fois de gagner ou de perdre. Croyez-vous qu'à une table de baccarat, on joue l'émotion? Il n'empêche que vous les trompez en parlant d'amour. Croyez-vous? Elles savent en général très bien à quoi s'en tenir. Mais les jolis mots,
Les intonations élues sont pour elle une musique enivrante. Ne vous arrive-t-il jamais d'avoir affaire à une dame qui prend vos serments pour argent comptant? Oui, cela arrive. Mais j'y vois une sorte de perversité. Vous voulez me faire rire? Mais non. Son instinct l'avertit, mais elle préfère se bercer d'illusions. Que Dieu me préserve de ces femmes-là. Oh, que Dieu les préserve de vous. Vous avez déjà parlé d'amour à cette dame? Ah, pas encore. J'en suis à la phase veloutée. La nature, la musique, les poètes. Elle a un excellent appétit, moi aussi. Vous lui offrez des repas fins. En musique. Je l'observe, elle m'amuse. Elle a un certain goût. Pas obligatoirement du bon goût, mais quelque chose de bien à elle, d'originellement sincère. Elle sait observer les choses et les gens et penser sur ces gens, sur ces choses. Elle a dû beaucoup s'ennuyer dans la vie. Elle ne m'a rien raconté sur elle-même, elle n'est pas cachotière, mais elle semble tellement avide d'autre chose, de sortir totalement, ne serait-ce que pour un temps de son passé. Je la laisse faire. Je ne suis pas curieux. Et comme je ne suis pas pressé... Alors, pour le moment... Un jour ou l'autre, elle y passera. Cela dépend des circonstances. Ah oui, mais vous venez de parler si vulgairement, surtout pour me choquer. J'avoue, cela m'amuse de vous voir rougir et vous indigner. Oh, mais au fait, si elle y passe, j'y passerai aussi. Savez-vous qu'il existe des femelles très voraces qui choisissent leur victime? Peut-être celle-ci aussi me guette. Petite chatte à viser pendant que je fais le dindon. Magnifique. Le soleil n'est pas encore couché et la lune est déjà là et laisse une traînée pâle sur les reflets mauves de l'eau. Oh, si le mot vous émeut, regardez plutôt le nez de ce gros général au milieu de la passerelle. Il est à un degré de maturité rare, même chez nous en Russie. Vous Tiens. Voyez, cela vous fait... Tiens, regardez, ouais. Là-bas, ouais. Avec une ombrelle jaune. Je vois une jeune femme, assez jolie, semble-t-il. Oui, elle est très jolie, mais vous n'avez rien remarqué d'autre? Regardez bien. Sa toilette est peut-être un peu osée, mais de bon goût. Ce n'est pas cela. Elle a un petit chien. Vous n'avez pas vu le chien? Ma foi, c'est vrai. Un loulou blanc. Oh, il y en a une autre. Avec un Saint-Bernard. Vous êtes contre les Saint-Bernard? Ce sont des bêtes d'un abord souvent difficiles. À tout prendre, je préfère les loulous, les bassets. À la rigueur, les caniches, les chiens vers lesquels on peut se pencher. Moi, j'adorerais avoir deux barres dorées. Pourquoi deux? À deux, ils ne s'ennuient pas. Ils sont moins dépendants de leur maître. Vous êtes très indépendante. Moi? Sûrement pas. C'est vrai. Vous m'avez dit que vous vous ennuyez ici sans votre mari. Je n'ai jamais dit cela. Possible. Vous m'avez peut-être dit seulement que vous vous ennuyez ici. Mais oui, et vous vous êtes moqué de moi. Voilà une belle famille. Deux garçons. Deux filles. Sans parler du marmot de sexe indécis entre les bras de la nourrice. C'est une petite fille. Vous avez une vue perçante, la mienne décline. C'est à cause des rubans. Oh, je ne connais pas grand-chose à ce symbolisme curieux. C'est elle qui a accouché, c'est lui qui paraît épuisé. Il porte les valises. Ah, c'est sûrement cela. C'est gai un débarcadère. J'adore les débarcadères, les quais des gares. À l'aller ou au retour? À l'aller, bien sûr. La solitude du retour me donne la nausée. Et vous habitez où? Oh, n'en parlons pas, je pense. Ce bateau vous fascine? Oui. Lorsque j'étais jeune fille, je rêvais de voyage. Ah, la Grèce, les Indes. Paris. Ah. J'étais à Paris. Oh, il paraît que les femmes sont jolies à Paris. Oh oui, une parisienne, c'est unique.
C'est délicat et insolent. C'est fragile et original. Et c'est vivant, vivant. Vous avez aimé une Parisienne ? Le soleil est couché maintenant. Regardez comme la nuit est vite tombée. Oui, il fait presque noir. Et la fraîcheur va monter tout de suite. Vous n'avez pas froid ? Non. Nous pourrions prendre un fiacre, aller ailleurs. Quelque part où on peut souper en musique. Si vous voulez. Ah non, c'est à vous de choisir. Je ne sais pas choisir. Alors, vous n'avez pas vraiment envie de musique ? Le dernier voyageur est parti depuis longtemps. Ils ont même tiré la passerelle. Qu'est-ce qu'on attend ? Je ne sais pas. Allons chez vous. Vin blanc de Crimée, tout en scellé, capiteux comme un porto. Oh, merci, j'ai pas le temps. Alors, lequel des deux y est passé? Ni l'un ni l'autre. Oh, un échec? Si l'on veut. Pardonnez ma curiosité, mais c'est presque plus intéressant. Tout avait si bien commencé. Oui. Puis, vous avez disparu. J'étais persuadé que vous filiez le parfait amour. C'était logique. Vous êtes bien laconique aujourd'hui. Oui. Vous me feriez le plaisir de ne plus me parler de cette histoire. Oh, excusez-moi. Vous n'avez aucun tort. C'est moi qui vous ai accablé de mes confidences. Vous avez été une oreille attentive et complaisante. Brusquement, j'ai l'air de vous reprocher une indiscrétion. Il n'en est rien. Admettez seulement que, une fois l'an, il m'arrive d'être dégoûté de ma vanité. Amalgamé à mon milieu. On vieillirait ensemble, mon milieu et moi. Et je me tiens en dehors. Et me voici seul, les mains vides, grisonnant,
entre mes doigts, la vie glisse comme du sable. Ses mains, je pouvais les refermer sur ton visage. Je pouvais te dire, viens là. Sans doute serais-tu venu. Au lieu de cela, j'ai joué un jeu aimable. Je me suis menti à moi-même, essayant d'étouffer la vérité. Anne, petit visage rieur aux yeux fascinants. Anne, je t'aime. Je crie vers toi. Anne, si j'avais le courage de reconnaître l'essentiel, je partirais à ta recherche aujourd'hui même pour te retrouver à une terrasse, m'asseoir à tes côtés, te prendre la main et rester près de toi. Seulement j'ai peur. J'ai peur maintenant de te voir tourner la tête vers moi et de découvrir dans ton regard que je suis redevenu un inconnu. Que je n'existe plus. Adieu, Anne. La mort de l'homme commence quand il comprend que personne ne peut plus rêver de lui. À présent, me voici presque sereine. Je ne désire rien parce que je désire l'impossible. Qu'est-ce que je désire? Oh, c'est une histoire que je me raconte souvent. Je me trouve un soir au concert, toute seule, comme d'habitude. J'aime encore davantage la musique sans la connaître mieux. Mais elle m'emporte, et ne vous moquez pas, elle m'enchante. Mes yeux glissent sur les visages qui se confondent dans la pénombre, sur les dorures, les velours et les fresques ridicules du vieux théâtre. Et tout à coup, vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Vous êtes venu et vous vous êtes assis à côté de moi, dans le fauteuil vide de mon mari. Je reconnais l'odeur de votre eau de toilette et ce léger parfum de cigare qui imprègne vos vêtements. Je sens le poids de votre corps dans le fauteuil et je vous entends parfois murmurer quelques notes d'un air. Et je reste immobile. Je n'ose pas bouger. Je n'ose pas glisser le moindre regard de votre côté. Tellement j'ai peur de vous voir disparaître, de vous perdre. J'espère seulement qu'un jour, de nouveau, vous poserez votre main sur la mienne. Et j'attends. J'attends. Bientôt, quand je parlerai d'amour, plus personne ne voudra me croire. Croire que j'ai pu l'aimer. Croire qu'on a pu l'aimer. Bientôt, une jeune fille aux yeux clairs me dira: il s'agit d'amour, grand-père. Tu ne peux pas comprendre. C'est toi qui as raison. Je lâche prise. Pourquoi préserver cette chair de morsure? Qu'est-ce que j'essaie de sauvegarder, moi que perce chaque rayon de soleil, moi que mord chaque instant de vie? Que suis-je en vérité? Plus petit que l'air, plus doux que l'eau. Un voilà l'homme, un petit homme qui tremble, qui transpire de peur.
de comédie. Je viens à toi, chien. Ne tire pas sur ta chaîne. Je viens tout près. Tout près. Déchire-moi. Mange-moi. Dévore-moi. Déchire-moi, chien noir. Ouvre ta grande.